Salut les potos, c'est moi Miss Ambition, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ouais, ça fait bientôt une semaine que j'ai pas encore posté de vidéos sur YouTube. Oh bon, vous le savez, à part YouTube, j'ai ma propre vie ici en Chine. Donc j'essaie de gérer entre YouTube et ma vie au quotidien, quoi, vous voyez, non? Malgré que les potos, vous demandez de trop. Chaque fois, fais la réaction de telle vidéo, fais la réaction de telle vidéo. C'est des boulots, les gars. Tu fais la vidéo, tu fais le editing, tu fais beaucoup de choses. Ouais, c'est pas du tout facile ces vidéos de réaction, mais comment on va faire? Puisqu'il y a beaucoup de personnes qui kiffent mes vidéos, on va continuer à vous donner de bonnes vidéos de qualité. Ceci étant dit, le clip d'aujourd'hui est Wassolo, donc c'est un clip de Titiden Lil IBA. J'ai fait la réaction de La Revanche lorsque le clip était sorti, bon, son nouveau album La Revanche. Et je pense que ce clip aussi, ça fait partie de l'un des morceaux de son album. Donc j'avais fait la réaction sur La Revanche et ça a eu beaucoup de vues. Ça fait partie des vidéos sur ma chaîne qui ont eu beaucoup de vues. Donc si vous n'avez pas encore regardé ça, vous pouvez juste regarder après celle-ci. Donc ceci étant dit, on va commencer avec Wassolo, Titiden Lil IBA. Et aussi les potos, abonnez-vous sur ma chaîne. J'ai remarqué beaucoup de personnes regardent mes vidéos, mais ils ne veulent pas s'abonner. Donc, bon, je sais pas quoi dire. Let's get it. Réalisé par Giga, je sais pas, c'est Giga B ou bien bon, on continue, c'est pas là mon problème. À part ça, déjà le clip elle est propre. Moi j'aime Lil IBA, Titiden, le gars il est bon. Vous avez regardé le clip La Revanche, l'énergie qu'il dégageait dans cette clip, moi j'ai kiffé. Ça a commencé très fort. Tu sais que le gars il était venu pour laisser des messages et tout, quoi. Ouais, ici j'aime son style d'habillement. Les dreads qu'il a fait, les dreadlocks, et aussi ses lunettes, quoi. On continue. Les gars, c'est quoi Wassolo? J'attends ça sur les côtés commentaires. Let's get it. Ouais, bon, comparé à la plupart de ces clips que j'ai regardé, ce beat c'est un peu différent. Et ouais, le beat c'est un bon beat, c'est une bonne beat plutôt, mais quand même sa façon de rapper est un peu différente, quoi. Déjà il sait pas Wassolo ça veut dire quoi. En tout cas, j'attends que vous me dites ça sur les côtés commentaires. On va continuer. J'aime aussi le fait que le clip, ça change de couleur à blanc-noir, quoi, vous voyez, non? Je sais pas pourquoi ils ont fait cette transition, mais je kiffe. Wassolo,
Kiriga chocha mandiga Wassolo, capacity to a parada de Wassolo, Bob Marley sugar Wassolo, Brooklyn Compton, Oliver de Wassolo, Nangolun, Nangolun, it is a veteran of Wassolo, Jacolin, and Toro, Kanagin, Manga, Nangolun, Kumusanga, Pipa Wassolo, Je sais pas, j'ai l'impression qu'il est en train de faire des dédicaces à certains artistes. Quand il dit leur nom, il dit Wassolo, je sais pas ce que ça veut dire, mais je suis sûr que c'est quelque chose de positif. Ouais, on continue. Wassolo. Attendez, j'ai vu Team Gladia Favela Gang. Ouais, Team Gladia Favela Gang. Je connais déjà la Team Gladia à force de faire les réactions de IBA One, de Lil IBA. J'ai appris beaucoup sur la Team Gladia. Par contre, Favela Gang, ça, je connais pas. Je sais pas si eux aussi sont au Mali. Donc bon, c'est pas là le problème. Vous pouvez toujours écrire sur le côté commentaire pour me donner plus d'informations sur la Favela Gang. Je suis sûr ils sont aussi des artistes, sinon si je ne me trompe pas. On continue. Le clip même, c'est déjà presque fini. Ouais. Ça, c'est un bon clip. Malgré que elle est différente, c'est-à-dire l'ambiance que j'ai connue de Lil IBA n'est pas présente aujourd'hui. Parce que moi, déjà, le clip, La Revanche, lorsque j'ai regardé ça, je ne comprenais pas ce qu'il dit, mais juste l'énergie qu'il dégage et les photos, tout ça qu'il avait mis aux alentours, j'ai compris que, damn, le titre, c'est La Revanche et ça, c'est un message très fort qu'il lance aux rappeurs et tout, quoi, vous voyez, non? Mais avec celle-ci, j'arrive pas du tout à avoir une idée. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est quoi le message qu'il envoie dans ce clip? Bon, c'est tout pour la réaction. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Au cas où vous avez aimé, vous pouvez laisser un petit pouce bleu. Abonnez-vous sur ma chaîne si ce n'est pas encore fait. It's your boy, Miss Ambition, and I'm out.